Eh bien bonjour tout le monde, Sojen, très 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 content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc sur Age of Empires 1v1 commenté comme d'hab. Toujours sur Arabia, enfin du moins retournons sur Arabia, parce qu'il me semble que la dernière game que je vous avais présentée ce n'était pas sur Arabia. Donc voilà, de retour sur Arabia, sur une 1 war, donc les deux ont la civilisation des 1. Et cette game donc, va donc opposer Baller Zilla, très compliqué à expliquer ce pseudo, contre CW, donc ça c'est clairement le nom de la team, Gary, donc c'est Baller Zilla contre Gary, et nous on va se baser sur la vie de Baller Zilla, qu'on va peut-être appeler Zilla pour plus de simplicité. Donc voilà, une game, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, étant donné que je ne l'ai jamais regardé, comme à chaque fois. On va essayer de se décrypter ça ensemble, et de voir un peu comment ça se présente tout ça. Donc je vais lancer la game, hop, je vais lancer la game, et donc là ça devrait commencer. Donc voilà, quelques pays ont déjà lancé dans le forum en production. On peut voir déjà un mouton ici, donc les trois autres, on peut imaginer qu'ils sont pas très loin. Donc on va pouvoir commencer une récolte très très rapidement. Et on va essayer un peu de deviner sur quel build order il va partir. Un sanglier directement trouvé, très très bien aussi. Ça pourra pallier le manque de moutons si jamais ils trouvent pas, admettons, ces deux autres, enfin les deux groupes de moutons supplémentaires. Trouver un sanglier dans les débuts, c'est toujours agréable. Pour justement pallier ce manque. Pour justement pallier ce manque. Donc, pour le moment, rien à signaler. En même temps, c'est le début, vous me direz. Il se coûte avec ses moutons, donc c'est bien. Et pour information, on n'est pas sur HD, hein, on est sur la version originale. Comme je vous le disais lors d'une précédente vidéo, c'est difficile en ce moment de trouver des versions, des démos correctes à commenter. Et d'autant plus qu'en ce moment, la version HD bug quand on lit une démo. Donc, c'est vraiment fantastique la version HD. Bref, on n'est pas là pour troller. On est donc sur la version originale. Il a trouvé tous ses moutons, il a trouvé son sanglier, il a trouvé son or, il a trouvé ses deux spots de pierre. Eh bien, ma foi, j'ai envie de dire, il a tout trouvé. Il a tout trouvé. Donc, il continue quand même un peu à explorer chez lui, mais il devrait pas tarder, je pense, à aller explorer la map de son adversaire. Une rééquilibration du bois au bout de 6 bergers. Donc, pour le moment, c'est bien, c'est le classique, c'est ce qu'il faut faire. Sauf cas exceptionnel. Mais bon, pour le moment, c'est un très bon starting. Pas de trop de production à signaler. On va voir s'il va y en avoir un, tiens. Non, c'est bon, il n'aura pas. Impeccable, pour le moment, rien à signaler. C'est très très propre comme start. Très 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 propre. Il a trouvé son or secondaire aussi. Globalement, j'ai envie de dire une map dans les normes. C'est pas dégueulasse. C'est pas non plus fantastique, mais il y a pire et franchement, il y a moyen de jouer correctement avec une map pareille. Maintenant, faire attention à pas shooter tous les moutons comme ça, là, parce que c'est pas très optimisé, ça. C'est pas très optimisé. Normalement, vous êtes censé chasser le sanglier. Il doit vous rester au moins 4 moutons, des fois 5. Si la chance l'a voulu, mais normalement, il doit vous rester 4 moutons quand vous chassez votre premier sanglier. Donc, pas terrible, terrible tout ça. Là, du coup, il va lui en rester que 3. Il nous met donc 4 bûcherons sur le bois. Et là, il va donc nous chercher un sanglier. Ce qui nous ferait pas un petit Dark Rush, le petit Exila. Peut aussi très bien être un recherché, mais moi je sais pas pourquoi. J'ai envie de sentir au Dark Rush là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va se mettre ça, on marche à accélérer quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu longuet quand même. Voilà, chasse-moi ce petit sanglier, un peu comme il a fait Mika Kissé. Oh, c'était peut-être pas forcément nécessaire. Hein. Franchement, là, on était quand même sur un sanglier assez potable. Donc, bon, il l'a fait, on va pas lui reprocher ça. Hop, les cueilleurs donc de baies. Les cueilleurs de baies. Deuxième sanglier donc qui est en train de se faire chasser. Ça devrait être bien synchro, ça. Ouais, voilà, il reste 60, bon, c'est bien, c'est bien. Par contre, il est pas très bien tombé le deuxième, hein. On va le noter ça parce que pas très très bien noté. Hey, il avait oublié donc. Ah non, il a trouvé des moutons chez son adversaire. Ok. Oh, bah, opération plutôt rentable, hein. 200 moves de gratté. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Et donc il m'a. Enfin, j'ai mal deviné. Il ne va donc pas faire un Dark Rush, étant donné que s'il aurait fait un Dark Rush, il aurait dû gratter d'ores et déjà 10 d'or sur son or principal. Pour justement créer ces 3 miliciens, étant donné qu'un milicien c'est 20 d'or et que là on en a que 50 du fait d'avoir fait Mitya 6C. Donc là ça ressemble fortement à un Scout Rush. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, le standard, mais en même temps c'est un des meilleurs BO quand même, hein, le Scout Rush. Donc on peut pas reprocher de toujours voir la même strat. C'est quand même un BO qui est, ma foi, très intéressant. Et le Féron, qui vient chercher la fight sous le forum. Alors lui il a cru que c'était Pompelop la vie.
D'accord. Enfin, le BO est très particulier, cela dit, hein. Même pour un Scout Rush, ça me paraît quand même vachement bizarre. Du clic à 24 de pop, ça va pas nous donner un temps correct. Enfin, du moins, c'est pas la meilleure optimisation possible pour un Scout Rush. Donc, c'est assez bizarre. Maintenant, peut-être qu'il va pas partir sur un Scout Rush. Enfin, j'ai dit ça, mais ça se trouve, il a une autre idée en tête. Il a une autre idée en tête. À savoir. Attendons de voir ce qu'il va faire à la chevaudale. Gary, lui, en tout cas, qui passe à chevaudale. Pareil, pas dans le meilleur temps possible, mais bien avant Zilla, en tout cas. Donc, je suis curieux de voir sur quoi va partir notre ami Zilla. Sur un Scout Rush. Et il crée directement une archerie. Alors, je suis pas fan du tout. Il va faire un Scout Rush. Bon, bah, d'accord, c'est très bien. Mais là, je sais pas s'il va avoir assez du coup pour créer ses améliorations. Du moins, toutes les améliorations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 10 bûcherons. Ça sert à rien là de créer cette archerie tout de suite. Là, le but c'est de faire des scouts. Donc, il nous sort une archerie. Et il commence à nous caler des fermes. C'est ça l'objectif là du scout rush pour le moment, c'est de nous caler des fermes en même temps de nous sortir des scouts. Il en faut au moins 13 des fermes. Donc, ouais, il nous sort des tirailleurs. Oh, wow. Non, je suis pas fan du tout. Mauvais combo selon moi. Mauvais combo au détriment de plus de ça de l'économie, c'est pas spécialement je trouve la meilleure utilité parce que du coup les tirailleurs nous coûtent de la bouffe et du bois. Je serais vraiment parti sur un scout rush moi avec transition archer quoi, tout ce qu'il y a de plus classique. Parce qu'au final, je sais pas. Bon après c'est peut-être dans le but du coup de shooter ces quelques lanciers là le plus vite possible mais. Tant plus que là j'aime pas du tout la manière dont ils placent les bâtiments. Moi je suis plus dans l'optique de couvrir en fait l'or principal avec les archeries. En général c'est un or qui est quand même vachement exposé. Plutôt que de les poser comme ça, je suis vraiment pas fan du tout. Son adversaire par contre qui avait fait vraiment n'importe quoi. Il vient chercher la fight carrément sous le forum. C'est totalement ridicule. On va remettre en vitesse normale. On va remettre en vitesse normale. Il a quand même massé pas mal de tirailleurs notre ami Zilla là. Donc ça devrait peut-être l'aider à tuer tous ces lanciers. Cacher son adversaire Gary. Les scores sont buggés comme d'habitude, il faut que j'appuie dessus. Donc il y a quand même 400 points d'écart là entre Zilla et Gary. C'est Zilla qui mène la danse pour le moment. Même si je suis pas fan de tous ces tirailleurs là, pour moi c'est pas spécialement utile. Voilà, Gary est quand même bien chaud, j'ai l'impression. Il décide de prendre son or secondaire qui, cela dit, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus protégé, hein, beaucoup plus proche de son économie. Plutôt que celui-ci qui est assez exposé maintenant. Comme je l'ai dit, hein, il aurait dû protéger son or avec ses archeries. Il aurait peut-être pas eu à aller choper celui-ci en premier. Bon, quoi qu'il en soit, un scout rush qui au final n'aura pas fait spécialement beaucoup de dégâts. Cela dit, il a pas fait beaucoup de scouts, hein, soit dit en passant, donc c'est aussi pour ça. Mais du coup, voilà, il a pas son combo. C'est-à-dire que quand on fait un scout rush, le but c'est d'arriver fin féodal avec un combo scout plus archer. De manière à ce que les scouts bah, tapent directement les archers adverses ou les villageois adverses et que les archers couvrent les scouts en tuant les éventuels piquets en fait tout simplement. C'est pour ça qu'on dit scout rush transition archer. Et c'est concrètement le meilleur combo à la chevaudale. Donc devant le scout rush transition tirailleur, hein, donc on soit d'accord. On soit d'accord. Donc ouais c'est pour ça je suis pas spécialement trop fan. Après, peut-être que notre ami veut partir sur un full feudal, mais là, dans ce cas-là, il faudrait déjà commencer à attaquer, là, parce que du coup, il y a beaucoup de passivité. Il a quand même fait tout ça, c'est juste pour défendre, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus intéressant à faire, je pense. On va quand même regarder, du coup, ce qu'il y a de notre ami. Il a l'air d'avoir des écuries bien pleines. Il crée une forge, donc il va faire certainement le plus un d'attaque pour ses archers ou ses tirailleurs. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ses archeries. Et une tour qui est faite donc en défense sur l'or. Bon réflexe, c'est un bon réflexe. C'est parce que au vu de ce qu'il a notre ami Zilla, je pense que cette tour est la bienvenue. Maintenant, il est peut-être un peu mal placé, je sais pas. On verra par la suite, on verra par la suite. Et j'ai l'impression qu'il va lancer une offensive. Non, il va en défense. Donc on retourne du coup sur la vue de Zilla. Qui lui décide par contre de lancer l'offensive, j'ai bien l'impression. Brouette qui est développée, très bien, il faut le faire. Il faut le faire par contre à 70 de pop, la vache quoi. 70 de pop à la cheveudale, on est à 20 minutes de jeu dans le timer réel. Ça serait bien d'attaquer quoi. Si on part sur un full féodal, il faut vraiment attaquer. Peut-être il aurait fallu faire plus de scouts aussi dans ce cas-là si on fait un full féodal. Je m'explique, un hein, full féodal c'est une attaque, enfin une stratégie qui consiste à vraiment attaquer à la cheveudale. Passer château un peu tard, c'est-à-dire aux alentours peut-être de 25 à 30 minutes pour vraiment concentrer tout sur la chevaudale, hein. Donc beaucoup de scouts, une bonne dizaine, quinzaine, une bonne vingtaine, trentaine d'archers, il faut vraiment pas les aimer, hein. Donc voilà, assez particulier quand même ce joueur Zilla. Il a de drôles
de, comment dire, drôle de, ouais, de Blade Runner, si je peux appeler ça comme ça. Bon. L'autre écurie, donc ouais, là c'est sur un full feudal, hein, c'est clairement ça, mais du coup il est un peu passif. On va faire une petite marche rapide là, mais je suis pas spécialement très très fan là de cette passivité du coup, parce que voilà, il a quand même massé, mais du coup là pendant tout ce temps, son adversaire a pas été trop embêté quoi, c'est ça le truc qu'il faut se dire. Donc selon moi, c'est pas spécialement la meilleure solution. Bon, en tout cas, une bataille fait rage ici. Une bataille fait rage ici contre des scouts. Alors des scouts qui ont plutôt intérêt à fuir cette fight là. Voilà, c'est le cas. C'est le cas. Et du coup là, je pense que notre ami va se frotter à la tour sur l'or. D'où l'avantage de sauter en permanence hein, pour vraiment voir ce que notre adversaire fait le plus souvent possible. Voilà, donc la tour est repérée. À mon avis, ça va faire le grand tour pour aller taper le bois. J'en suis quasiment certain. J'en suis quasiment certain. Comment ça se passe dans l'économie? Notre ami donc pompe les fermes pour passer château très rapidement, je suppose. Cela dit, ça va lui donner du coup beaucoup de ressources en termes de nourriture, surtout j'entends, parce que là, arrivé château, il va avoir vraiment, je pense, j'arrive même plus à parler, un excès de nourriture, je pense, trop conséquent. Et à la limite, la meilleure solution serait peut-être de partir sur du knight, arrivé château, et non sur de l'archer de cavalerie comme on a tendance à voir, étant donné que là, son économie est quand même plus orienté bouffe or que bois or quoi. Donc à voir. À voir. Ouais, il nous ressent en écurie, donc il va partir sur le knight. Il a raison, c'est le bon choix. L'adversaire qui lui est une micro vraiment dégueulasse. Il cherche même pas à faire attention si il passe sous forme ou quoi. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il a stoppé la production de l'écurie. C'est un bon point. C'est un bon point. Notre ami Zilla, lui, qui a sorti une tour du coup en défense. Bon, c'était peut-être pas forcément nécessaire. Hein. Il avait juste un wall entre ses bâtiments et il était tranquille quoi. Parce que là il passe château, il aurait pu caler un forum quoi, tout simplement. Bon, cela dit, là maintenant, voilà, son adversaire qui est passé vraiment comme zéro. Et du coup, il fait quelques pions quand même. Il fait une bonne opération. Et une autre mise là, là qui est en train de s'empaler. Et donc, c'est là en fait où je vous expliquais que le combo scoop plus archer est plus fort que tout parce que. Comment dire? Il avait pas spécialement beaucoup de scouts. Hein. Je me remets peut-être normal. Il avait pas spécialement beaucoup de scouts hein, en attaque avec ses archers, ses tirailleurs. Du coup, il s'est un peu fait flinguer, on va dire, par le combo de son adversaire. Et c'est pour ça que Zilla est passé en dessous au niveau du score. Donc, mauvaise opération, une fois de plus. Une fois de plus. Donc, voilà. En tout cas, des knights qui sort. Alors, les knights qui peuvent faire la différence tant que son adversaire a pas up ses archers. Qu'on soit d'accord. Qu'on soit d'accord. Donc, ça peut être pas mal. Reste à voir ce qui se passe là. Ils sont en train de parler dans le chat, alors j'ai pas tout suivi la discussion. Un petit truc assez. Ah, il a détruit une écurie. D'accord. Bon, en tout cas, les knights qui sortent, hein, qui vont faire très mal si son adversaire réagit pas. Je pense qu'il a plutôt intérêt à faire des lanciers. Je crois pas qu'il soit passé château en plus, notre ami. Non, il est toujours pas passé château, donc là il a clairement un petit problème. Va falloir qu'il se dépêche. Parce que ces knights là, tant que l'adversaire est à la cheval, ça peut quand même faire très 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 mal. Surtout s'il fait la défense. Donc il a fait le plus 1 de défense. Attends, je sais pas s'il a fait l'amélioration dans l'écurie. Non, ligne de sang, pardon. Ligne de sang, je vais dire. Bon, là, il faut prendre cette fight là. Tu la gagnes cette fight normalement si tu prends la fight. Surtout que là, t'as quand même pas mal de knights en production. Ah non, il a plus de bouffe. Alors, ça, c'est chaud ça. Il a plus de bouffe. Il nous fait il nous prend de la pierre, je pense, pour créer des forums. Du coup, étant donné que cette tour lui a pompé sa pierre, il a plus de pierre pour faire des forums. Ça, il faut le faire avant normalement. Dès que tu sors ta tour, après tu mets deux pions sur la pierre hein, pour anticiper. Parce que là, du coup, bah, voilà, t'es bloqué. Tu dois attendre avant de faire ton petit placement de forum. Qui s'avère quand même être très pratique hein, pour protéger des ressources. Donc, voilà. Donc là, les knights, là, avec ça, il faut qu'il commence à attaquer. Hein. Faut pas qu'il joue safe. Je pense qu'il peut faire quand même très très mal à son économie. Allez, on va voir un peu là ce qui se passe. On va voir un peu ce qui se passe. Bon, il a de quoi faire mal. Il a de quoi faire mal. Donc on retourne en mode normal. On va regarder vite fait un peu l'économie en attendant qu'il arrive chez l'adversaire. Donc les pions qui sortent, c'est nickel. Donc, beaucoup de pions sur la pierre pour combler le manque. Là il serait possible de caler un forum. Donc il serait bien de se réveiller un petit peu par contre là de la part de Zilla. Zilla qui repasse le score, soit dit en passant. Ok, et là donc la bataille va faire rage je pense. Les knights qui sont du coup beaucoup plus résistants aux flèches que les scouts. Il a fait les lanciers du coup, il a eu le bon réflexe notre ami Gary. Cela dit, je pense pas qu'il ait l'avantage là. Enfin, je
qu'il fuit cette tour en fait. Je pense que s'il fuit cette tour, il peut avoir l'avantage. Maintenant, ça reste à voir, hein. J'en suis pas certain. J'en suis pas certain, peut-être qu'en allant taper ce bois là. Oh là là, deux tours sur le bois, alors ça c'est très... Je suis pas spécialement fan des gens qui pompent les tours comme ça à tout va. Parce qu'au final, voilà quoi, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus optimisé je trouve, hein. Arrivé à l'âge des châteaux, vos tours ne servent plus à rien, donc voilà. En tout cas, les knights qui se dirigent vers le bois. J'ai l'impression qu'il y a eu du wallage en plus. Donc à mon avis, il va pas y avoir beaucoup de dégâts je crois. Non, c'est bon, c'est pas volé. C'est pas volé, voilà, prends la fight contre les scouts, impeccable. C'est ce qu'il faut. Ouais, par contre là je pense qu'il faut fuir. Beaucoup de lanciers, beaucoup de lanciers. Gary rage bien, hein, je pense. Le fait de créer tous ces lanciers, c'est très bien. Ça bloque du coup cette armée de Knight un petit moment. Et par contre, voilà, il continue à envoyer des Knights, hein, notre ami Vzilla. C'est bien. Il faut rendre fou un peu l'adversaire. De montrer que c'est nous qui dominons la partie. Deuxième forum placé. Donc j'aurais placé ici, moi peut-être un peu plus collé ici là quand même, mine de rien. Vraiment collé à la forêt. Mais sinon dans l'idée c'est là que je l'aurais placé, de toute façon il n'y avait pas trop de choix, après c'est plus du plat donc forcément. Forcément, et quand même pas beaucoup de nourriture chez notre ami Villa. Il va falloir soit faire beaucoup plus de fermes, soit orienter l'économie vers peut-être du bois pour éviter peut-être sur l'archer de cavalerie, faire un combo archer de cavalerie knight, qui est quand même le meilleur combo selon moi à l'âge des châteaux. Combo knight, hein, c'est vraiment vous avez les knights qui tapent en premier plan, plus les archers de cavalerie qui courent. Donc c'est vraiment voilà, le combo le plus parfait à l'âge des châteaux, qu'on soit d'accord. Qu'on soit d'accord. Bon, en tout cas, les forums produisent. C'est très bien. C'est très bien au même titre que les écuries produisent aussi. Donc c'est vraiment très très bien. Par contre, je pense qu'il serait peut-être possible d'enlever quand même quelques mineurs de pierre. Hein. Tout ça, c'est pas spécialement nécessaire. À moins qu'ils veuillent mettre un château quand même assez avancé. Peut-être c'est possible aussi pour prendre le contrôle map. Et dans ce cas-là, je dis why not. Je dis why not maintenant. Maintenant, voilà quoi. Zilla qui repasse au score de 100 points. Il a l'air d'avoir récupéré un bon rythme, surtout au niveau de l'économie. Donc c'est bien pour lui, c'est bien pour lui. Maintenant je pense qu'il va falloir faire quand même pas mal de fermes, essayer de faire un petit boom tranquille. Je pense qu'avec ce qu'il a là, il peut commencer à faire quelques dégâts, paralyser un peu son adversaire, le taper, repartir. Voilà, je pense qu'avec ça, il peut quand même faire très mal. Donc il faut en profiter là. Il faut en profiter, il est tranquille lui en attendant. Donc voilà, on va regarder un peu son adversaire, qu'est-ce qu'il raconte là, qu'est-ce qu'il a fait comme unité. Donc lui il a fait fantassin, lui clairement il part sur, enfin il reste sur des unités d'archer. Il a l'économie pour en même temps j'ai envie de dire, il a pas masse ferme comme Zilla. Donc forcément il va faire de l'archer de cavalerie, c'est logique. C'est logique, enfin en tout cas j'espère qu'il reste pas sur du fantassin parce que ça serait vraiment très débile. Ça serait vraiment très débile. Et donc là, notre ami Zilla, qui retourne donc sur le bois de notre ami Gary. Reste à voir s'il va pouvoir faire quelque chose, mais maintenant c'est plus possible. Hein. Il y a deux tours et un forum, clairement c'est plus possible. Il faut partir, faut trouver un autre spot. Faut trouver un autre spot. Peut-être qu'ici, il y avait moyen de taper quelques péons. Il peut taper quelques péons à proximité du forum aussi, avec tous ces knights qui sont très résistants. Va-t-il le faire? Non, il ne le fait pas. Il ne le fait pas, c'est dommage. C'est dommage, pas assez réactif sur ce coup-là. Les knights, toujours des knights chez Zilla. C'est un choix que j'approuve. On peut faire uniquement les knights. Maintenant c'est un combo, enfin c'est une unité qui se fait vite rattraper par les archers de cavalerie. Une fois amassés, les archers de cavalerie font ce qu'on appelle du hit and run. C'est à dire qu'ils vont tirer et back, tirer et back. Pendant que l'archer de cavalerie lui, bah, va suivre l'archer de continue, l'archer de cavalerie sans pouvoir faire le moindre dégât en fait. C'est pour ça qu'à moyen terme les archers de cavalerie sont quand même plus intéressants que les knights. Dans le sens où eux font des dégâts permanents avec leurs flèches, tandis que eux faut qu'ils aillent taper le corps à corps. C'est surtout ça le truc. C'est surtout ça. Attention, attention, attention. Là, je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, il repart avec Tech Knight. Là, t'en perds deux bêtement. Terrible, terrible tout ça. Terrible, terrible. Donc là, au final, il n'y a plus trop de possibilités. C'est aussi le problème des Knights. Hein. On en revient au même point. Les archers de cavalerie, c'est une unité qui est mobile et qui attaque à distance. Admettons qu'il en aurait à la place des Knights. Il aurait pu par exemple se placer sur l'autre de cette colline et taper tous ses péons à distance. Cela dit, il peut aussi faire avec ces Knights là. Hein. Il pourrait passer ici et faire très mal. Hein. Mais c'est quand même plus facile de gérer des attaques avec des archers de cavalerie plutôt qu'avec des chevaliers. Parce que voilà, quoi, c'est une unité qui attaque à distance et au final. Au final voilà quoi. Ouh alors attendez parce que là il y a notre adversaire qui est en train de passer à l'attaque. Ça risque de donner une sacrée bataille tout ça. Ça va donner une sacrée bataille. Et j'ai pas l'impression qu'il ait une économie très folichonne. Hein. J'ai l'impression qu'il pompe. Non même pas, il pompe pas de knight là, donc ça serait vraiment temps de peut-être le placer même un quatrième forum. Ou alors attendez. Un château qui est construit du coup de la part de Zilla en défense.
en défense. Attention, voilà, mais, ouais, mais non, les lancers, ils vont taper à proximité du forum, c'est peut-être pas la meilleure solution. C'est peut-être pas la meilleure solution, je pense que là, il faut back. Il faut back ou alors il faut attaquer sur un autre front. En tout cas, pas sur celui-ci. Pas sur celui-ci de la part de Gary, là, c'est vraiment pas la meilleure solution, je pense. On va voir comment ça se déroule. Surtout que là, ouais, il y a du lancer qui arrive, c'est bien ça, mais... Voilà, je vous le disais, hein, regardez. Les unités à distance, ça peut taper même quasiment à côté du forum sans pour autant se faire toucher. Donc l'avantage avec les 1 en tout cas, de partir vraiment sur de l'archer de cavalerie. Hein. Même si des fois on peut partir sur du knight, mais je pense que le mieux quand même ça reste archer de cavalerie. Et donc là vous voyez que les knights ne peuvent pas faire grand chose étant donné qu'il y a quand même beaucoup de lanciers. C'est pas une bonne solution je pense de la part de Gila d'aller chercher ces knights là. Voilà, faut battre les lanciers. Ouais. Voilà, je suis pas fan, voilà. Donc, je pense que chacun doit rentrer chez soi là. Ou alors lui devrait plutôt aller attaquer ailleurs quoi, un autre spot ou Petite marche rapide s'impose je pense. Il faut back tranquillement. Voilà. Attaquer sur un autre front. Il a fait balistique notre ami ou pas? Je ne sais pas s'il a fait balistique. Balistique est quand même très important, hein. Ça augmente considérablement la précision de vos archers. C'est limite du 100% à chaque fois. Tandis que là c'est beaucoup de flèches ratées hein, tant qu'on a plus balistique. Donc très important de faire balistique le plus tôt possible. Bon en tout cas il a perdu quand même beaucoup de knights inutilement. Zilla je suis pas spécialement fan. Ça se voit au score, il est repassé en dessous. Donc mauvaise opération je pense de la part de Zilla. Pas très rentable en tout cas. Pas très rentable et j'ai l'impression qu'on est en train de viser un impérial là, le petit Zilla du coup. Il y a un qui stocke pas mal de nourriture. Et un château qui a été changé de place. Il était posé ici, maintenant il est posé ici. Bon, attention, Gary s'en parle hein, quand même beaucoup de fois, je trouve, sur le forum à chaque fois de Zilla. C'est vraiment pas. Pas très malin, je trouve, en tout cas, de faire ça. Regardez, là, c'est lancé qui meurt bêtement. Faut vraiment faire attention, quoi. Il le sait qu'il y a un forum, il est quand même. Juste devant lui, il peut très bien faire attention. Regardez, il y a une longue unité qui perd ça. C'est vraiment pas. Vraiment pas terrible quand même tout ça. Hein. Là, il faut attaquer sur un autre front. Il peut faire des dégâts. Il peut faire des dégâts ici. Avec ses archers de cavalerie, il peut se mettre sur la colline, taper ici. C'est dommage. Quoi qu'il en soit, notre ami continue à faire du coup du lancer. Ça, c'est un très bon réflexe. Quand vous voyez que votre mec fait du paladin, bah, vous avez qu'une chose à faire, vous, c'est faire du lancer. Hein. Concrètement, voilà. Un château qui a été fait sur une colline en défense, plutôt bien, c'est une bonne idée. Un autre forum ici pour prendre 7 heures secondaires, c'est bien aussi. Mais du coup, ça serait bien de faire, pour y aller en tout cas, de faire d'autres archeries. S'il veut continuer sur de la chaîne Kaby, parce que du coup, 3 archeries c'est un peu léger. Ça permet de masser beaucoup moins rapidement du coup, et peut-être de perdre beaucoup plus de fights si l'autre a visionné à masser plus rapidement. Bon, en tout cas, je pense que là, Impérial, il faudrait le cliquer là dès qu'il y a l'or nécessaire. Peut-être voir même faire un marché à la limite, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, il a un bon combo, hein. Gary, ça, y a pas à dire. Il a le combo, je pense, le meilleur combo en tout cas pour contrer ses knights pour le moment. Lancer chez cavalerie avec quelques fantassins. Ah, et donc, notre ami Zilla qui fait une transition. Alors. Je pense que ça va plus être une transition tirailleur plutôt qu'une transition genre cavalier d'archer. Déjà parce qu'il a pas l'économie pour pomper les cavaliers d'archer, qu'on soit d'accord. Mais surtout parce que c'est, je pense, le meilleur contre tout ça là. Tous ces piquiers, ces fantassins, ces archers de cavalerie. On va faire une petite marche rapide. Mais ouais, je pense que c'est Ah non, il part sur archer de cavalerie. Alors, ouais, non, je suis pas fan du tout. Il a pas l'or, c'est ça, il a pas l'or. Est-ce qu'il aurait fait un marché? J'ai l'impression que oui. Ah non, il est en train de le faire. D'accord. Oh, ça commence à push. Ah là là, ça c'est très très bien ça. Ça commence à push. Alors, très très bien, parce que en général, hein, pour moi, c'est celui qui push qui gagne la partie. Enfin, qui prend l'initiative à pusher. Et là, vous voyez, la solution, et encore, ça serait quand même de taper ses béliers avec les péons. On va pas se mentir, les péons sont quand même... Voilà, je crois que c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Les péons sont un très bon moyen de contre, hein, contre les béliers. Tant qu'ils sont pas spécialement améliorés. Mais ah, c'est très très bien ça, cette décision de push là, de la part de Gary. Maintenant je crois que ça n'a pas spécialement efficace. Dans le sens qu'il est quand même pas mal, je dis là, en termes d'armée.
Dommage, dommage, parce que l'intention était bonne. Mais peut-être un peu trop précipité du coup. Mais cela dit, il y a beaucoup de knights hein, qui tombent, mine de rien. Ça reste une opération plus ou moins rentable. Enfin, ça dépend, parce que là, on est en train de faire quand même pas mal d'archers à battre tous ses forums et ses châteaux. Mais il y a quand même pas mal de knights du coup qui est tombé. C'est une opération semi-rentable, on va dire. C'est une opération semi-rentable. Et du coup, les bébés qui s'excitent, mine de rien. Voilà, les petits lanciers là du coup qui viennent taper les knights à proximité, c'est bien aussi. C'est bien aussi parce que les knights, mine de rien, ça coûte quand même extrêmement cher. Hein. Si on a l'occasion d'en tuer avec des lanciers, c'est vraiment voilà, tout bénef. Tout bénef. Et au final, hein, je pense que ce château va tomber. Je pense que ce château va tomber. Et si ce château tombe, ça peut être très bien dans le sens où il aurait pu après attaquer beaucoup plus facilement. Le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'armée. Et on en revient au même point là, il faut pomper plus d'archerie, je pense. Il faut pomper plus d'archerie. Voilà, la chatte qui a 700 HP, mais il est en train de le réparer en même temps, donc c'est compliqué pour le guerrier de le retrouver. Oh là là, mais j'ai pas fait attention, il a même pas fait une ligne de sang son adversaire. Mon dieu. Il faut faire ligne de sang, je vous l'ai dit, les amis, 20 et 20 fois ligne de sang pour tout ce qui est cavalerie, montée. C'est important parce que vous gagnez quand même 20 HP de plus, c'est non négligeable. Surtout si vous venez apprendre des fights, par exemple si vous avez 30 archers de cavalerie contre 40, si les 40 ils ont pas ligne de sang et vous les avez, vous gagnez cette fight là. Donc c'est vraiment pas négligeable, c'est vraiment pas négligeable. Du coup là concrètement, s'il fait pas ligne de sang, ah il vient de le faire à l'instant. Et je crois qu'il m'a entendu, même si la game est déjà jouée alors que je vous parle, je crois qu'il m'a entendu. Et donc du coup voilà, lui il part vraiment sur l'achat de cavalerie, il a décidé de prendre une transition maintenant. Enfin, attention de ne pas trop en faire. Là il a cliqué impérial. Moi je serais d'avis quand même de faire une transition tirailleur assez rapidement. Pour pas trop pénaliser l'économie. Et garder l'or pour push. Hein, faire des béliers, faire les améliorations des béliers. Et push en fait l'économie adverse avant qu'il commence à trop s'étaler. Parce que là mine de rien l'orange prend un petit contrôle map. Plus intéressant je pense que le jaune. Donc attention à ne pas épuiser tous ses torts dans les archers de cavalerie. D'autant plus qu'après ces archers de cavalerie, s'il veut les améliorer, ça va lui coûter beaucoup de coûts. Un archer de cavalerie lourd. Donc, voilà. Là, il nous sort une caserne, l'autre là, mais je sais pas si c'est spécialement très utile. Si c'est pour faire du lancier, là par contre, c'est pas intéressant. Hein, parce que voilà, l'autre fait une transition archer de cavalerie, c'est lancier, il est à distance et c'est fini. C'est fini. Une nouvelle bataille qui fait rage, encore une fois totalement débile de la part de son adversaire guerrier, étant donné qu'il se fight sous le château et sous le forum ennemi. Donc au final, pas une très très bonne opération une nouvelle fois, même s'il a quand même beaucoup de béliers, ce bélier, je pense pas qu'il va faire quelque chose de très intéressant. Je pense pas. Il n'a pas d'armée en plus pour accompagner ses béliers, c'est ça le truc. C'est qu'il n'a pas d'armée, encore il aurait une armée pour les protéger ou. Et là il a rien. Donc, je pense qu'il précipite beaucoup les choses derrière. Et du coup Zilla en sert profit. Il a raison, il bat sous son château. C'est la meilleure solution. Bon, par contre, ce château nous est tombé là. Mine de rien, les archers de carry c'est bien, mais pas contre les béliers quoi. Donc, il y a quand même un knight à taper, 2-3 knights même. Même il a pas tombé ce château, je pense. Ça reste à voir. Non, il tombera pas. Il tombera pas, mais c'est limite, hein. C'est limite. C'est limite. Et là, avec tous ces archers de cavalerie lourde, il faut aller chez l'économie adverse. Là, il faut vraiment aller chez l'économie adverse. L'autre est encore à l'âge des châteaux. Là, il nous sort un trébuchet. S'il nous sort des trébuchets ou même des béliers, il gagne la game, hein, concrètement. Il gagne la game. Enfin, une petite avance rapide, quand même. Mais là, il faut pas jouer défensif. Hein. Il faut vraiment pas jouer défensif. C'est ce qui est, parce que ça permet pour votre adversaire de passer plutôt impérial et de rattraper le retard qu'il avait. Là voilà, j'ai l'impression qu'il va aller attaquer, c'est ce qu'il faut. Ça va faire mal d'ailleurs, ça va faire très mal. Petite technique hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, quand vous regardez la map qui est ombrée comme ça, avec le brouillard de guerre, regardez un peu les arbres, et si vous voyez des arbres coupés, ça veut dire que votre adversaire prend du bois ici. C'est très intéressant de connaître cette technique, certains ne le savent pas, et ça peut du coup beaucoup plus vous aider lors de fight pour savoir où taper. Directement. Zilla qui fait des hussards. Alors ça c'est très très bien les hussards pour Arras, l'économie adverse. Il va pouvoir tuer quand même beaucoup de péons, mine de rien, grâce à ça. Ils sont vraiment très très résistants en fait. Les hussards c'est
Pour moi, ça, c'est ma bête noire parce que c'est vrai que c'est chiant, quoi. Ne serait-ce qu'un hussard, quand il y en a un qui tape à côté de notre forum, ils ont chié pour le tuer, quoi. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Donc là, par contre, c'est dommage, faut pas les entraîner sur ces machins. Mais là, voilà, on va venir taper les machins avec la rafale de cavalerie. Avec les archers de cavalerie. Les premiers, comme je l'avais prédit, je pense que c'était la même solution. Ça peut être pas mal. Avantage à ce bilan. Il y a quand même 3 000 points score. A gagner plié sur le noir. Maintenant, je pense que c'est la saison pour la forme. Belle qui passe impériale. On a beaucoup de retard. 57 minutes de jeu. C'est quand même pas terrible. Non, mais là, il faut envoyer les hussards dans l'économie. Là, faut pas les chercher. Faut pas chercher la fête avec les hussards. Ça sert à rien, ça. Faut vraiment les envoyer dans l'économie. Et du coup, l'autre qui part sur le tirailleur, alors c'est, enfin, ouais, c'est la meilleure solution, mais là, c'est largement ce choix. Ce choix, ça, enfin, ce choix est pris beaucoup trop tard. Il l'aurait fait plus tôt, je pense que ça aurait été valable, mais là, il le fait un peu trop tard. Le fait d'avoir combattu ce château à plusieurs reprises de cette rampe alliée, c'est pas non plus la meilleure solution qu'il a eu à Garou. C'est légendaire. On va enlever le brouillard des guerres. Non, on peut pas enlever le brouillard des guerres. Ah, voilà, c'est bon, on est parti. Que dire de cette game? Si ce n'est que, en début d'âge féodal, il y a eu des gros problèmes, je pense, chez Zilla quand même. Parce que, bon, déjà, son full féodal était assez bizarre. Il avait pas de scout dans son armée. Un full féodal, c'est bien, mais il faut des scouts. Vous avez bien vu, hein, quand il est arrivé ici, qu'il a combattu contre l'autre qui lui avait des scouts, il s'est empalé. Il s'est empalé, et avec quelques scouts en plus, genre peut-être 5 dans sa composition, c'était lui qui empalait l'autre. Donc c'est pour ça que, si, enfin, quoi qu'il en soit, n'importe quelle composition que vous faites à l'âge féodal, il faut des scouts. Il faut des scouts, ça, si vous faites un rush archer pur, mais dans ce cas-là, voilà, c'est le rush archer, quoi, c'est pas le scout rush. Du coup, l'adversaire guerrier, lui, qui s'est empalé, mais tellement de fois sous le forum, sous le château, sous tout ça, qui au final a perdu quand même beaucoup d'unités et n'a pas réussi du coup à prendre des fights avantageuses pour lui. Il a jamais pu masser concrètement, en plus de ça, il attaquait vraiment avec des petits groupes qui au final ne faisaient pas grand chose. Par contre, je lui donne au moins le fait d'avoir tenté le push au bélier. C'était bien tenté, mais faut quand même quelque chose pour couvrir ses béliers. On peut pas juste envoyer des béliers, ça serait trop facile sinon. Donc c'est dommage, mais l'idée était bonne et j'apprécie le fait d'avoir fait ça quand même. Maintenant, lui, il a transité notre ami Zilla sur des archers de cavalerie. Pas une mauvaise idée en soi, mais c'est risqué quand même parce que, enfin, moi j'aurais plus transité sur tirailleur, parce que si notre adversaire avait une meilleure économie que celle de Gary par exemple, je pense que ça aurait pu s'avérer très très compliqué, hein, parce que, enfin, là je pense que Zilla a eu beaucoup de chance du fait que Gary n'ait pas beaucoup massé, parce que s'il aurait massé du début de son âge des châteaux jusqu'à maintenant, je pense que il aurait eu beaucoup plus en termes d'armée et il aurait pas pu faire tous ses archers de cavalerie, je pense, du coup notre ami Zilla, c'est mon avis, hein, voilà quoi. Mais sinon, ouais, voilà. Bon, une game intéressante quand même en soi. Donc voilà, on va pas leur enlever ça, ils ont quand même bien joué. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère l'avoir bien commentée. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Je le reconnais. Mais je pense que dans le fond, ça reste quand même écoutable. Et du coup, je vous donne rendez-vous, moi, pour une prochaine vidéo. Soit une rediffusion live, soit une vidéo commentée, je ne sais pas. Et puis, en attendant, portez-vous bien, les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.